Bonjour, je suis Zoé Leroy des éditions Héliopole. J'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Anne-Laure Cellier. Anne-Laure Cellier qui est professeure à HEC et qui vient de sortir un ouvrage aux éditions Héliopole qui s'intitule « Le pouvoir des prénoms ». Donc Anne-Laure, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que notre maison d'édition publie un ouvrage de recherche. Je crois que c'est également votre premier livre. Et je voulais vous poser cette question, pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre ? Merci de cette question. La première réponse évidente, c'est parce que vous m'avez proposé de le faire et je vous en remercie. Je me réjouis toujours de voir que la recherche peut avoir des opportunités d'être connue en France. De façon générale, je trouve que la recherche en sciences cognitives n'est pas assez connue, n'est pas assez mise à la portée de tout un chacun. Une raison importante pour laquelle j'ai accepté de rédiger ce livre avec vous, c'est que tout simplement depuis la sortie de notre recherche il y a maintenant un an, les gens de tous endroits que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger sur ce sujet, m'ont tout simplement suggéré de le faire. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un livre sur ce sujet qui pourrait expliquer davantage, en particulier la découverte que nous avons faite, c'est-à-dire que nous ressemblons physiquement à notre prénom. Parce que le résultat était surprenant d'une part et puis d'autre part un petit peu difficile à appréhender en quelques minutes d'échange. Et enfin, une autre raison est que c'est un résultat qui a mis beaucoup de gens en colère, ce que j'ai trouvé assez surprenant en tant que psychologue sociale parce que c'est un résultat qui me semble évident après surtout 6 ans de travail dessus. Et donc j'ai voulu m'expliquer avec ce livre et pouvoir amener le lecteur à rentrer un petit peu dans le monde de la recherche, qui est un monde fascinant, souvent considéré opaque, et puis faire partie un petit peu d'une équipe de recherche et voir comment on arrive justement à cette conclusion qu'on ressemble à son prénom. À qui s'adresse cet ouvrage ? Est-ce que c'est un ouvrage qui s'adresse à des spécialistes ou est-ce que c'est un ouvrage plus grand public ? Alors certainement pas. Je m'adresse à des spécialistes à longueur de journée. J'adore mon métier. Mais justement, l'exercice que j'ai voulu faire a été de partager cela avec tout le monde. C'est-à-dire, littéralement, j'ai envisagé ce livre comme une conversation qu'on pourrait avoir autour d'un café. Et pour moi, le challenge, c'était de savoir si j'étais capable de dire à tout le monde ce que nous faisons en recherche, pourquoi c'est important. Et le sujet du prénom est en or pour faire ça. C'est un ouvrage qui s'adresse aussi bien aux femmes enceintes qui sont en train de se poser des questions sur leur progéniture, aux étudiants d'HEC. Alors, les gens qui se sentent concernés tout de suite par ce livre sont évidemment ceux qui sont activement pris dans le choix du prénom. Mais le prénom, on en a tous un. C'est quelque chose qui existe dans toutes les sociétés humaines, qui a toujours existé, hein, au moins autant qu'on le sache. Hein, on peut remonter à Sumer, il y a déjà des prénoms dans les premiers textes écrits. Et donc c'est un ouvrage qui s'adresse aux jeunes professionnels, aux personnes âgées, aux personnes qui vivent mal leur prénom, ça existe aussi. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur prénom. Et il y a d'ailleurs un vent de changement sur le fait de changer de prénom, par exemple en France, qui est un acte qui reste encore trop rare, à mon sens, puisque seulement près de 3000 personnes par an cherchent à changer de prénom, souvent parce que la souffrance est telle que vraiment ils sont prêts à passer devant un juge, mais c'est quelque chose qui reste encore assez tabou. Donc le livre est vraiment pour toute personne qui porte un prénom. Cet ouvrage s'appelle « Le pouvoir des prénoms ». Plus largement, donc vous êtes chercheur, plus largement c'est un ouvrage, une première pierre dans la science du prénom. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une science du prénom ? Alors, de science du prénom, oui, on peut commencer à en parler. Il faut savoir qu'on s'est intéressé scientifiquement, c'est-à-dire avec des mesures au sujet du prénom il y a à peu près 50 ans, hein, pour la première fois. Donc c'est extrêmement récent et pendant très longtemps, ça a été vraiment quelques petits travaux de ci, de là, donc on n'en parlait pas vraiment dans la sphère du grand public. Depuis 5 ans à peu près, c'est un domaine qui a littéralement explosé en sciences cognitives. Et donc c'est très rigolo parce que dans le livre, je parle à 70% des recherches que j'évoque, hein, n'ont pas plus de 5 ans. Donc oui, en tant que corps scientifique d'ensemble d'études, oui, on peut parler, on peut commencer à parler de science du prénom. Alors, parlons peut-être un petit peu de votre recherche.
Donc vous faites partie d'une équipe de recherche qui a découvert qu'on avait la tête de son prénom. Vous avez une tête d'Anne-Laure, j'ai une tête de Zoé. Je voulais savoir un peu plus précisément ce que ça signifiait. Alors, ce que ça signifie de façon très concrète, c'est que si je demande à une centaine de personnes de tenter de deviner votre prénom alors qu'ils ne vous connaissent pas, et que je leur soumets quatre prénoms qui ont été donnés avec la même fréquence l'année de votre naissance et autour de l'année de votre naissance, normalement, si vous ne portez pas votre prénom dans le visage, ces gens devraient deviner par hasard, et donc avoir raison à peu près 25% du temps si je vous donne 4 choix. D'accord ? Ce qu'on trouve sur 4 choix, c'est que c'est plus proche de 40% du temps que ces gens vont donner la bonne réponse. Et donc il y a quelque chose dans votre visage qui trahit votre prénom. Vous portez l'empreinte de votre prénom sur votre visage. Une autre façon de le dire et qui a pu heurter, c'est que vous êtes tatoué avec votre prénom. Je crois que HEC a mis en ligne un test justement avec plusieurs visages, peut-être pour inviter les gens à jouer, parce que c'est une forme de jeu aussi, d'essayer de deviner le prénom de ces personnes. Comment vous avez sélectionné ces personnes ? Simplement sur la base du volontariat, il y a des gens qui ont voulu se prêter au jeu. L'avantage de ce quiz en ligne, effectivement, est de vous donner l'intuition de ce que c'est que de deviner justement le prénom de la personne. Cette intuition, on l'a. On l'utilise tous les jours, on l'utilise tous les jours. D'accord ? C'est comme une première impression, on sent comme ça. Et évidemment, on a l'impression qu'on fait ça, on fait ça au pifomètre littéralement, et on a l'impression que le pifomètre est un hasard pur. Mais en fait, ce qu'on montre dans notre travail, c'est qu'il n'y a point de hasard en la matière. On arrive à déchiffrer un visage et à lire le stéréotype d'un prénom sur ce visage. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qu'on puisse deviner ou lire le prénom de quelqu'un ? Alors, je pense que c'est une très bonne nouvelle sur le plan anthropologique, parce qu'on vit dans un monde qui est très complexe, qui va de plus en plus vite. Et quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, il est déterminant de pouvoir cerner la personne pour savoir comment se présenter, comment lui parler, sur quel registre de langage, par exemple, interagir, et sentir, pressentir quel prénom cette personne peut avoir ou non, va nous donner une piste, en fait, pour que l'interaction avec cette personne se passe pour le mieux. Donc, je pense que c'est excellent. Donc, vous êtes chercheur, mais cet ouvrage dépasse le champ de vos recherches et votre spécialité. Vous invoquez un certain nombre de disciplines pour expliquer quels sont les enjeux du prénom. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre choix et sur toutes ces disciplines que vous traversez à travers l'ouvrage ? Bien sûr. Alors, en tant que chercheur, quand j'écris, vous savez, c'est très aride. Les articles scientifiques, c'est écrit dans un anglais qui n'a aucune saveur, qui est bardé de sources. Et en général, ce sont des sources qui sont très proches du domaine. C'est-à-dire que quand j'écris en psychologie cognitive et sociale, je cite la psychologie cognitive et sociale. Alors que nous sommes tous forts en psychologie, d'autres domaines, d'accord, qui tombent un peu sous le sens et sur lesquels on a rarement l'occasion de s'épancher. Et donc ce livre a été un plaisir pour moi, justement, parce qu'il m'a permis de me plonger dans l'histoire des prénoms, dans l'anthropologie, en neurologie, en psychologie cognitive et sociale, évidemment. Et puis je me suis fait vraiment plaisir parce que ça m'a permis d'aller perdre du temps du côté de la littérature. Vous faites appel à un certain nombre de recherches de vos confrères dans cet ouvrage. C'est une manière aussi de les impliquer dans cette science des prénoms ? Ils y sont. Ils y sont malgré eux, souvent. C'est-à-dire que je suis venue moi-même à étudier les prénoms par hasard. Ce qui m'intéressait, c'était d'étudier la pression à la conformité, hein, de façon plus générale, et la façon dont on incorpore les autres pour exister dans notre individualité. Ça, c'est le sujet de ma recherche. Beaucoup de mes collègues ont des intérêts similaires, et effectivement, tout leur travail sur les prénoms ont suscité mon intérêt dans la rédaction de cet ouvrage. Beaucoup d'entre eux ne savent pas qu'ils sont dans mon livre encore. Ils le découvriront. C'est le choix du prénom comme sujet d'étude, c'est une manière pour vous de partager votre discipline avec le plus grand nombre ? Alors non, le choix du prénom, donc je suis chercheur en sciences cognitives et sociales dans une école de management. Donc je me suis intéressée à la pression à la conformité au départ par rapport aux marques. Donc ce qui m'intéressait au départ, c'était de voir si nous ressemblions physiquement à nos marques, chose sur laquelle je suis encore en train de travailler. Le problème des marques, c'est que si je vous dis que par exemple vous avez un visage Chanel, il se peut que vous ayez adopté un visage Chanel ou que vous ayez ressemblé à Chanel,
génétiquement parlant, et que donc vous êtes mise à porter du Chanel parce que ça va bien avec le visage Chanel. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un problème de causalité inverse. Et donc pour répondre à la question, est-ce qu'une étiquette sociale comme une marque peut influencer notre visage en étant sûr que l'étiquette vient avant l'effet sur le visage, j'ai dû remonter à une étiquette sociale dont on sait qu'elle vient avant que le visage ne se développe. Et c'est pour ça que je me suis penchée sur le prénom qui vient à la naissance, sachant que, si c'est une nouvelle pour nos auditeurs, le jour zéro, nous ne ressemblons pas à notre prénom. Nous ne ressemblons pas à grand-chose, si ce n'est peut-être au papa, pendant quelques jours. Vous êtes professeur à HEC. Quelles sont les implications de cette recherche dans la pratique du management ? Alors, dans la pratique du management, ça va être davantage sur d'autres étiquettes sociales que le prénom qu'on va être intéressé. On a trouvé, par exemple, qu'on a la tête de son emploi. Voilà, c'est pas très surprenant, c'est comme le prénom. Une tête d'avocat, ça existe. Voilà, d'ailleurs, si je vous le dis, est-ce que vous avez un stéréotype d'un avocat là, maintenant ? Oui, vous pressentez ce à quoi un avocat peut ressembler ou non, d'accord ? Un informaticien, c'est pareil. Un comptable, c'est la même chose. Donc, en ressources humaines, par exemple, cela peut avoir son importance. Et en marketing, évidemment, si nous nous mettons à ressembler à certaines marques fortes, hein, qui font partie de notre individualité, alors ça peut être intéressant, évidemment. Quand j'en parle à des entrepreneurs, ils voient tout de suite l'intérêt, surtout en ligne, où on peut maintenant sélectionner les gens sur la base d'une simple photographie sur les médias sociaux, par exemple. Dans votre ouvrage, vous prenez un exemple, j'aimerais bien que vous en parliez peut-être un petit peu, c'est une manière d'ouvrir ce livre. Vous parlez d'une lettre de motivation, une lettre de motivation qui accompagne les CV, et cette lettre de motivation commune dans laquelle le prénom va changer. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet exemple ? Oui, il s'agit d'un testing sur CV d'une qualité remarquable qui a été fait par une économiste française, Marianne Valfort, qui a envoyé exactement le même CV à plus de 6000 recruteurs en France et elle a simplement modifié le prénom. Et il s'agissait de trois prénoms différents. Il y avait un Michel, un Mohamed et un Dove. Alors, elle a constaté de façon peu surprenante qu'il y avait de la discrimination en France, mais chose plus intéressante, elle a réussi à vraiment montrer une discrimination par le prénom pur, c'est-à-dire même à l'intérieur d'une religion donnée, il y a des prénoms qui vont être pressentis comme plus proches culturellement de nous, d'autres moins proches, et cela va compromettre plus ou moins les chances d'avoir un entretien d'embauche. Il y a d'autres exercices dans votre ouvrage, ce qui est assez amusant parce que vous partez d'exemples et ensuite vous ouvrez un certain nombre de portes. Je pense notamment à un exemple sur les Isabelles. Vous prenez plusieurs visages d'Isabelles racontez-nous un petit peu quels sont les objectifs de cet exercice. L'objectif, je l'espère, est que le lecteur pressente dans quatre visages d'Isabelle qui nous sont venus les uns après les autres de façon tout à fait aléatoire. On a fait un appel à des Isabelles françaises, que l'on puisse se rendre compte qu'effectivement, même si on peut avoir une Isabelle blonde, une brune, une plus ou moins âgée, il y a comme un dénominateur commun, il y a quelque chose qui émane, qui se manifeste dans le visage, qui est commun à ces visages. Et c'est exactement ce dont il s'agit quand on parle d'empreinte du prénom. Il y a une gueule d'Isabelle. Le choix du prénom, revenons un petit peu à nos différentes cibles de votre ouvrage. Le choix du prénom de son enfant est un acte fondateur. Est-ce qu'il y a un enjeu pour les parents à choisir un prénom ? L'enjeu, il est là, oui, il est colossal. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un sondage qui a été fait à un moment donné pour une émission télévisée qui a montré que 76% des Français sont convaincus qu'un prénom influence une vie. Mais ils ne savent pas exactement dans quelle mesure, ni jusqu'à quel point, en fait. Et donc, c'est vraiment ça que le livre attaque. Effectivement, il y a une influence, elle est considérable, ça va affecter notre vie personnelle, notre vie professionnelle, ça va même fricoter avec notre bonheur. Donc il y a un petit peu la pression sur les parents au moment du choix du prénom. Et ce qui est intéressant dans ce moment un petit peu bizarre où on est au troisième trimestre souvent de la grossesse,
c'est que les parents sont un petit peu tirés entre, d'un côté, s'assurer que la vie de leur enfant soit la plus simple possible, donc un prénom simple, mais d'un autre côté, évidemment, on a un désir parental fou d'avoir un enfant grandiose. Et donc, souvent, on se retrouve tiraillé entre des prénoms refuge, hein, que j'appelle refuge, comme Louis, Emma, Gabriel, des prénoms très très fréquents. Et des prénoms extraordinaires, ce qu'on voit très nettement depuis 1993, hein, depuis qu'on a le droit d'inventer de nouveaux prénoms chaque année, on voit un florilège de prénoms extrêmement originaux qui sort chaque année, et parfois l'originalité pêche. Vous évoquez notamment plusieurs exemples sur l'orthographe des prénoms, c'est-à-dire oui. Un prénom simple qui peut être orthographié de mille manières, et quel est l'impact de l'orthographe sur la personnalité de celui qui le porte. Oui, alors ça c'est un exemple très concret, par exemple de recommandation. Il y a une recommandation qu'on peut faire très nettement. Ce qu'on voit depuis 1993, c'est souvent des parents qui se disent « bon, je vais donner un prénom qui est courant, mais bon, je vais quand même le personnaliser hein. ». C'est un petit peu, on personnalise tout, hein. C'est un grand courant de consommation à l'heure actuelle. Et donc, par exemple, si je vais appeler mon enfant Chloé, je vais rajouter un « e » à la fin, comme ça fera vraiment très féminin pour le coup. Et à ce moment-là, le parent ne se rend pas compte qu'à chaque fois que Chloé va devoir se présenter, il va falloir qu'elle spécifie qu'elle a un « e » supplémentaire. Et pour la personne qui va lire le prénom Chloé, c'est difficile à lire. C'est plus difficile à lire que le prénom que l'on connaît. Et malheureusement, il n'y a rien que l'on puisse faire, quelque chose qui est difficile à déchiffrer, en particulier le prénom, va faire qu'on va attribuer des caractéristiques négatives à l'individu qui le porte. Donc quelqu'un qui s'appelle Claude, C-L-O-D-E, eh bien c'est quelqu'un qui va être moins bien reçu socialement que quelqu'un qui s'appelle Claude, C-L-A-U-D-E. Indépendamment de toute inférence sur l'orthographe ou la méconnaissance de l'orthographe que l'on puisse faire, c'est vraiment ça à voir avec la façon dont le cerveau décode l'information. Évoquez-vous dans votre ouvrage la possibilité de changer de prénom. Est-ce que ça implique de changer de prénom ? Alors, je ne dis pas qu'il faut changer de prénom à tout prix. Ce que je dis nettement, c'est je trouve surprenant, et surtout depuis la sortie de la recherche, j'ai été fort surprise de voir le nombre de personnes qui vivent mal leur prénom et qui n'en changent pas, parce que je pense qu'il y a une convention à l'heure actuelle qui est que le prénom est fixe et définitif, ce qui est très récent hein, dans notre histoire. Les gens jouaient avec leur prénom beaucoup plus, hein, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on changeait de prénom, on avait un prénom sur les papiers, on en avait un autre dans la sphère sociale. Ça a laissé le pas sur un monde où les parents vous donnent un prénom et il faut s'y accrocher tant bien que mal pour le reste de ses jours. Et si on en change, alors on renie ses origines, on renie ses parents, enfin, c'est assez mal vu en moyenne. Et donc ça explique ce relatif, cette petite foule de gens qui chaque année demandent à changer de prénom, alors que beaucoup de gens signalent qu'ils aimeraient, ou ils auraient aimé avoir eu un autre prénom. Donc j'aimerais que cet ouvrage soit un prétexte aussi pour ouvrir une discussion sur pourquoi n'est-il pas plus facile de changer de prénom. Un prénom aujourd'hui, c'est une étiquette qui n'est plus nécessaire dans sa forme définitive. Il fut un temps où le prénom permettait qu'on ne se perde pas, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'enfuir à l'étranger sous un autre prénom. Aujourd'hui, on a le numéro de sécurité sociale, on a l'ADN, on a tellement d'autres informations qui, je vous assure, font que si on veut vous retrouver, on vous retrouve, que j'aimerais qu'on retrouve ce côté ludique de l'usage du prénom avec lequel on pourrait jouer, on peut en changer au cours de son existence. Ça a trop disparu de nos usages actuels, je pense. Vous posez un certain nombre de questions dans votre ouvrage. Alors évidemment, les réponses, on va les trouver dedans. Est-ce que ce sont des questions qui parfois ont pu vous être posées par vos étudiants à HEC ? Absolument. J'ai l'immense privilège d'avoir des HEC entrepreneurs qui sont des étudiants sensationnels. Tous les étudiants HEC sont sensationnels, mais les étudiants HEC entrepreneurs n'hésitent pas à poser les questions qui chagrinent, qui font mal. Et donc, on a eu beaucoup de débats. Ils ont eux-mêmes des prénoms très, très différents. Alors, j'ai des prénoms très classiques, des prénoms très originaux. Et effectivement, leurs questions m'ont beaucoup aidé à me rendre compte de ce que tout un chacun peut avoir comme problème.
problème par rapport à notre recherche ou comme questionnement. Parce que vous savez, encore une fois qu'on travaille dans un univers de recherche, ce sont des travaux qui durent des années. Donc pour nous, ça tombe sous le sens, hein, le fait qu'on ressemble à son prénom. Donc ça m'a permis de voir un petit peu ce dont le grand public pouvait avoir besoin comme éclairage sur la question. Au début de notre discussion, vous avez évoqué le fait que quand votre article de recherche est sorti, il y a eu une peur, une grande peur de finalement on ressemble à son prénom, est-ce que c'est grave ? Donc, peut-être pour dédramatiser un petit peu cette crainte, qu'est-ce que vous pourriez dire maintenant que votre article est sorti, que votre recherche a été réalisée et que vous en avez fait un ouvrage grand public ? Finalement, est-ce que c'est grave de ressembler à son prénom ? Alors, je ne pense pas que ce soit grave de ressembler à son prénom. Encore une fois, c'est extrêmement intelligent de la part de l'être humain de se tatouer son prénom dans le visage. Ça lui permet beaucoup de raccourcis sociaux. En revanche, l'acte de choisir le prénom est un acte grave, oui. Donc ce n'est pas à faire à la légère. Et je pense qu'il y a toute une discussion à avoir dans le domaine juridique par rapport au fait de faciliter le changement de prénom, d'enlever le tabou autour de cet acte-là. Non. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions qui nous sont parvenues. Alors, je vais les prendre. Ah, j'ai une première question qui reprend un petit peu ce qu'on vient de se raconter. Si je m'appelle Nathalie, aurais-je moins de personnalité que si je m'appelais Aglaé ? Alors, non, pas nécessairement, en tout cas pas du fait du prénom seul. Lorsque nous disons que nous ressemblons physiquement à notre prénom, le fait que nous portions par exemple un prénom extrêmement fréquent laisse toute la place que l'on veut à l'expression de notre individualité. Nous ressemblons à notre prénom, nous ne sommes pas physiquement notre prénom. C'est-à-dire que si je vous dis que vous ressemblez à une Zoé, il y a quelque chose dans votre visage qui évoque une Zoé, mais ça n'est pas 100% de la variance dans votre visage, si je m'exprime en termes statistiques. Donc il y a quelque chose qui en émane et qui vous permet après d'exprimer votre individualité autour de ça. Alors entre une Aglaé et une Nathalie, je pense qu'il y a autant de place pour l'individualité dans les deux cas. Il y a un prénom qui est moins courant que l'autre et dont le stéréotype peut être plus diffus que l'autre. Par exemple, j'ai un stéréotype moins précis d'une Aglaé personnellement que d'une Nathalie. Surtout les Nathalie nées en 1970 puisqu'il y en a eu 26 000 cette année-là. Donc il s'agit d'une véritable tribu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir l'empreinte du prénom sur son visage ? Comment peut-on l'expliquer scientifiquement ? Alors scientifiquement, je fais à nouveau appel à cette étude de tout à l'heure. Vous prenez une photo de vous d'identité qui ne montre que votre visage et vous demandez à quelqu'un de montrer cette photo à une centaine de personnes qui ne vous connaissent absolument pas, de donner quatre prénoms qui ont eu la même fréquence que votre prénom en France dans les années autour desquelles vous êtes né, autour de laquelle vous êtes né, et de voir si 25% sur quatre prénoms, 25% des gens devinent votre prénom, ou, comme nous le constatons, davantage. Alors, dans un tout autre genre, je suis enceinte et je regarde l'étymologie des prénoms pour choisir celui de mon bébé. Cela a-t-il une quelconque influence ? Alors, je pense que ça a une influence sur les parents. Ça rassure beaucoup les parents. Ce qui me chagrine avec cet amour pour l'étymologie des prénoms, c'est qu'il semble que ce soit la chose la plus importante au moment où on choisit le prénom. Et après, ça disparaît complètement socialement parlant. C'est-à-dire que Zoé, il s'avère que, je sais parce qu'on en a parlé, que ça veut dire la vie en grec, mais il y a beaucoup de gens qui oublient ça ou qui n'ont pas fait de grec à l'école ou qui vont le savoir à un moment donné puis l'oublier. Ce n'est pas une information aussi pertinente que celle de ressembler à une Zoé d'aujourd'hui qui va avoir un style propre que l'on va rencontrer dans différentes sphères sociales. Et donc l'étymologie, oui, elle peut être importante, mais ce n'est pas la pièce maîtresse, je dirais, du choix du prénom. Alors, une dernière question qui a été posée par les internautes. Plutôt que de considérer un prénom reflétant nos origines comme un fardeau, n'est-ce pas au contraire un facteur qui nous permet de nous construire, de nous assumer et de nous forger un caractère ? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question, parce que ça va dépendre du prénom,
Il y a des prénoms qui révèlent nos origines. Si vous prenez le prénom Pierre, qui est très terroir, extrêmement fréquent, ça peut révéler les origines aujourd'hui de beaucoup de gens en France. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas dur à porter. Donc, je pense qu'il y a des prénoms qui sont moins fréquents, qui sont arrivés récemment. Je pense notamment, on parlait tout à l'heure de l'étude sur la discrimination. Il y a des prénoms, par exemple, d'origine maghrébine, dont on a, pour lesquels on a constaté malheureusement une forte discrimination par le prénom. Est-ce que ça va être un fardeau ou non? Alors ça va aller dans les deux sens, ça va dépendre des épaules qu'aura votre enfant. Il y a des enfants qui vont justement prendre ça pour devenir plus forts, ça va les définir. Puis il y a d'autres enfants malheureusement qui vont pouvoir être brisés ou certainement peu aidés par ça. Donc en tant que maman, je pense qu'il est plus judicieux, exempté, de choisir un prénom qui va simplifier la vie à votre enfant. Bon, donc peut-être rappeler que cet ouvrage, donc le pouvoir des prénoms, sort en librairie là le 15 mars. Mm-hmm. Vous avez fait l'exercice de tester déjà cet ouvrage auprès de vos étudiants ou pas encore? Alors, pas encore auprès de mes étudiants, mais auprès de certaines personnes à HEC qui se le sont passées. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir, très plaisir, c'est qu'évidemment, il y avait des femmes enceintes, mais qui ont passé ça à des gens qui n'étaient pas enceintes ou qui n'avaient pas de bébé à venir dans leur proche. Et pour moi, c'est ça le vrai test. C'est-à-dire, est-ce que ce livre a quelque chose à dire à tous ou non? Merci beaucoup. Mais je vous en prie, oui, merci de m'avoir édité.